Bonjour à tous et bienvenue à la une de l'actualité ce soir, la lutte contre la poliomyélite. Objectif, vacciner plus de 6,7 millions d'enfants âgés de 0 à 59 mois sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le lancement officiel a eu lieu dans le village des Bempe dans la commune d'Anyama, vous le verrez dans ce journal. Dans 75 jours s'ouvrira à Abidjan la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La Côte d'Ivoire deviendra la capitale du football africain 40 ans après sa première organisation de l'événement. Pour en faire la plus belle CAN jamais organisée, le pays compte miser sur des infrastructures de qualité. Dans ce journal, les attraits infrastructurels de la Côte d'Ivoire dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis à l'étranger, ce lundi marque la 24e journée de guerre entre Israël et le Hamas. La bande de Gaza croule sous le poids des bombardements israéliens et la situation humanitaire se dégrade de plus en plus. Les habitants pris au piège sont privés d'eau. L'aide humanitaire la plus importante depuis le début de la guerre s'est déployée hier dimanche sur la zone de guerre. Tout d'abord, l'actualité sanitaire avec la deuxième phase de la campagne de lutte contre la poliomyélite qui s'est achevée aujourd'hui. L'objectif est de vacciner plus de 6,7 millions d'enfants âgés de 0 à 59 mois sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le lancement officiel a eu lieu dans le village d'Ebempe, dans la commune d'Anyama. Les précisions de Mardoché Kouassi et Tanguy Konan. Quartier Saint-Clair, dans le village d'Ebempe, commune d'Anyama. À l'image de l'ensemble du territoire ivoirien, cette équipe d'agents vaccinateurs parcourt le quartier dans le cadre du deuxième passage de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Certaines fois, l'acte de vaccination est précédé de messages de sensibilisation et de conseils aux parents pour les aider à bien comprendre le bien fondé de cette opération. Nous vaccinons pour ne pas que nos enfants soient contaminés. Donc si vous voyez qu'on lance la campagne de vaccination, c'est parce qu'il y a eu des cas de polio. L'objectif des agents vaccinateurs est de faire de ces parents des relais auprès de leurs proches. Nous trouvons que la vaccination est très 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 importante parce que la vaccination protège les enfants contre ces maladies vraiment qui les gâtent, qui les empêchent de marcher, de faire quoi que ce soit. Et nous encourageons aussi tous les parents à vacciner leurs enfants, parce que c'est très très important. Malgré tous les efforts déployés sur le terrain, les équipes sont parfois confrontées à des oppositions dues aux préjugés sur le vaccin. Pour une dame même dire que son enfant, à chaque fois qu'on vaccine son enfant, l'enfant a des allergies sur le corps et à cause de cela, elle refuse de faire vacciner son enfant. Pour d'autres aussi, c'est la COVID qu'on envoie pour contaminer leurs enfants. Il y a d'autres aussi, carrément, ils refusent de nous expliquer, on ne sait pourquoi, mais on essaie de les sensibiliser. Ce deuxième passage de la campagne de vaccination contre la poliomyélite a démarré le 27 octobre dernier et s'achève ce lundi. Une opération rendue possible grâce à l'appui des partenaires qui accompagnent le gouvernement dans la lutte pour l'éradication de cette maladie invalidante. Comme lors des campagnes précédentes, l'UNICEF, l'OMS et les autres partenaires de l'Initiative mondiale d'éradication de la polio apportent leur appui à la mise en œuvre des activités avec près de 5,5 milliards de francs CFA pour les deux tours de la campagne de vaccination. Le ministre Pierre Damba, en charge de la santé, lui, invite les populations à prendre toutes les dispositions, notamment à travers le moyen le plus sûr, qu'est la vaccination, pour protéger leurs enfants contre la poliomyélite. Nous sommes engagés dans une lutte inlassable, car la menace de la poliomyélite reste tant que le moindre cas est détecté en Afrique et nous ne devons pas baisser les bras. Je voudrais rappeler également que la poliomyélite est une maladie très contagieuse, entraînant des paralysies aiguës irréversibles qui peuvent provoquer la mort du malade. Elle se transmet par la bouche à travers l'eau et les aliments ayant été contaminés par les selles d'une personne infectée. C'est donc une maladie de manque d'hygiène. À ce jour, il n'existe pas de traitement curatif. Les seuls moyens de prévention restent la vaccination et l'hygiène alimentaire, environnementale et corporelle. Ce sont au total 48 701 agents
notamment des vaccinateurs, des mobilisateurs sociaux et des crieurs qui sont engagés dans ces campagnes de vaccination contre la poliomyélite. Une campagne initiée à la suite de l'apparition de 6 nouveaux cas en Côte d'Ivoire. C'est dans ce village des Bempe qu'aura lieu la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, plus que 11 mois avant le match d'ouverture, qui opposera les éléphants de Côte d'Ivoire aux Durtus de Guinée-Bissau. 40 ans après sa première organisation en 1984, la Côte d'Ivoire deviendra la capitale du football africain du 13 janvier au 11 février prochain. Une compétition que le pays compte graver dans la mémoire pour y arriver la réalisation de plusieurs infrastructures, dont des stades. À cela s'ajoute la réhabilitation et la construction d'infrastructures routières et hôtelières qui contribueront à la réussite de la grande messe du football africain. Nadia Edja et Eric Kimou passent en revue les attraits infrastructurels de la Côte d'Ivoire dans la perspective de la CAN. Dans 75 jours, la Côte d'Ivoire accueillera la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN de l'hospitalité, selon les organisateurs, qui font la promesse d'offrir la plus belle compétition qui ait jamais été organisée. Je voudrais solennellement vous donner l'assurance et prendre l'engagement que la Côte d'Ivoire tiendra son pari d'organiser la meilleure des CAN, comme l'a voulu son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara et les populations ivoiriennes, qui, dans leur ensemble, s'apprêtent à donner aux 23 pays l'hospitalité ivoirienne. La réussite d'un tel événement ne peut se faire sans des infrastructures adéquates. Si en 1984, la Côte d'Ivoire ne disposait que de 2 stades, aujourd'hui, le pays en compte 6. Ce sont le stade olympique Alassane Ouattara d'une capacité de 60 000 places, le stade Félix Houphouët-Boigny, 29 000 places, le stade de la paix de Boaké, 40 000 places, le stade Amadou Gonkoulibaly de Korogo, 20 000 places, le stade Charles Konambani de Yamoussoukro, 20 000 places, et le stade Laurent Poku de San Pedro, doté de 20 000 places. À cela s'ajoutent 24 terrains d'entraînement pour la préparation des 24 équipes qui seront sur la terre des Burni. À côté de ces infrastructures sportives, des routes et des ponts. Des éléments importants pour la fluidité du trafic en cette période de grande mobilité. Le pont Ado, inauguré le 12 août dernier, le pont Henri Conan-Bédier, ouvert à la circulation en 2014, les ponts de Gaulle et Félix Houphouët-Boigny, réhabilités récemment, les échangeurs du carrefour Makassi et du carrefour Ondotré, situés à quelques encablures du stade olympique Alassane Ouattara, et la voie Y4 en cours, font partie du tableau que présente la Côte d'Ivoire en termes d'infrastructures routières. Des voies qui invitent à la circulation et vont faciliter le déplacement des supporters ivoiriens et étrangers vers les différents stades. Avec toutes ces routes qui ont été ouvertes de gauche à droite, je pense que l'accès au stade de Bimpe peut être possible. Moi, chez moi, en tout cas, ça a facilité beaucoup de choses. Bon, actuellement même, là, le travail n'est pas encore bien fini, mais regardez comment les voitures circulent tranquillement. Se déplacer, mais surtout bien se loger. C'est là l'une des attentes des quelques millions d'amateurs de football qui seront présents en Côte d'Ivoire. Un besoin qui devrait être comblé eu égard à l'offre hôtelière qui n'est pas à négliger selon le président de la Fédération de l'industrie hôtelière. La ville d'Abidjan compte une quarantaine d'hôtels de haut standing, dont 3 classés 5 étoiles, et des résidences de luxe totalisant plus de 4000 chambres. Abidjan, il y a un peu de tout, il y a des 5 étoiles, il y a 4 étoiles, il y a 3 étoiles, il y a 2 étoiles, il y a 1 étoile, il y a des étoiles, des hôtels non classés. Donc à Abidjan, il y a 43% des établissements d'hébergement. Yamoussoukro est aussi bien fourni. Yamoussoukro centralise à peu près 10% des établissements d'hébergement de Côte d'Ivoire. Ce sont des structures de haut niveau et il y a d'autres structures privées aussi à côté. San Pedro, c'est à peu près 7% des établissements d'hébergement du pays. C'est vrai, la CAN se déroule dans 5 villes, mais au niveau du secteur privé, nous avons identifié pas moins de 23 villes qui vont être concernées. Quand vous prenez Boaké, Katioula à 40 km, la route est bitumée, donc Katioula, il y a le handball de Katioula, il y a un certain nombre d'établissements qui sont là-bas, Katioula va participer. Quand vous prenez San Pedro, Sassandra est à côté, Grand Biribia à côté.
La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu du 13 janvier au 11 février prochain dans 5 villes du pays. Une opportunité pour le pays d'offrir à ses visiteurs ce qu'il a de plus beau. C'est un nouveau visage qui a la lourde tâche justement de réussir l'organisation de cette CAN à domicile. Quelques jours après sa prise de fonction, Adjei Silas Metch, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, a rencontré cet après-midi les principaux acteurs du mouvement sportif ivoirien, saluant le professionnalisme et l'engagement des acteurs du sport. Le nouveau membre du gouvernement a exhorté à la solidarité pour la réussite de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Salif Yalekwe, Eric Kimo. Adjei Silas Metch, le tout nouveau ministre, délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, chargé des Sports et du Cadre de Vie, a initié une rencontre avec le mouvement sportif ivoirien. Acteur du ministère, président de fédération, athlète était à ce rendez-vous. Une occasion pour lui d'inviter ses acteurs sportifs à s'impliquer pour la réussite de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, qui demeure un défi pour la Côte d'Ivoire. Notre pays, la Côte d'Ivoire, terre d'espérance et d'hospitalité, sera sous le feu des projecteurs à l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, soit 40 ans après. Et l'une des missions qui nous a été confiée est de réussir le pari de l'organisation de cette CAN 2023. Je voudrais vous inviter à rester unis et mobilisés pour la réussite de ce grand rendez-vous sportif qui cristallise déjà toutes les passions, aussi bien dans notre pays que dans toute l'Afrique, voire dans le monde entier. Les responsables fédéraux se sont engagés à accompagner le ministre dans ses actions, mais aussi à travailler afin de permettre à la Côte d'Ivoire de glaner des lauriers. Je pense qu'avec lui, nous allons faire beaucoup de choses parce qu'il est enthousiaste et il est déterminé à faire des choses. Donc nous allons le suivre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus faire des doléances, nous ne sommes pas venus faire des revendications. Nous sommes juste venus pour l'écouter, pour qu'il nous donne une feuille de route. Mais il a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il a expliqué, on a compris. On va l'approcher pour prendre la feuille de route. Et désormais, on va se mettre en mouvement. Du 13 janvier au 24 février, la Côte d'Ivoire va accueillir la 34e édition de la CAN. Un rendez-vous qui se prépare activement. Annoncé pour être l'année de la jeunesse par le chef de l'État au soir de 2022, 2023 aura été une année de grand espoir pour les jeunes. À quelques semaines de la fin de cette année thématique, que disent les jeunes justement? Que pensent-ils des promesses annoncées? Leurs attentes sont-elles remplies? Les éléments de réponse dans ce sujet réalisé par Moussa Nikiema et Joseph Zécré. 2023, année de la jeunesse ivoirienne. 10 mois après cette annonce du président de la République, comment cette année thématique a été perçue et en sont-ils satisfaits? On a l'impression que les retombées de cette année de la jeunesse-là, ce n'est pas de façon inclusive. Et ce n'est pas du tout intéressant. On a présenté des projets au cours de cette année dans une institution pour des financements, pour booster nos activités, voilà, innover et autres. C'est resté sans suite. Et il y a trop de paperasse. Et comme on le dit que c'est l'année de la jeunesse, on devait vraiment nous enlever tout ce qui est paperasse. Nous, quand on n'a pas les diplômes un peu élevés, bon, on a appris notre métier à la 5 doigts, Dieu merci, ça va, on gagne notre petit pain à manger. Il y a les boîtes qui passent, il y a les documents qui te demandent, tu ne peux pas fournir ça. Donc, on n'est pas trop allé à l'école un peu, bon. Franchement, on garde manger à nos fins. Le boulot, Dieu merci, ça va. Autre domaine comprenant les jeunes, les transports. Dans ce secteur, l'année 2023 n'a pas répondu aux attentes. Nous avons approché, nous ont dit effectivement qu'ils vont nous accompagner. Nous, bon, jusque-là, rien. Cette année, annoncée comme année de la jeunesse, est comme toute autre année, parce que nous, au niveau du VTC, qui est un nouveau secteur de jeunesse, nous n'avons rien reçu. Dans l'ensemble, en tant que jeunes d'abord, nous n'avons pas senti cette année en tant qu'année de jeunesse. Se terminant à grands pas, l'année de la jeunesse suscite toujours l'espoir auprès des jeunes. On a vu quelques changements, beaucoup a été fait en tout cas pour la jeunesse, mais nous, ce que nous on souhaiterait aussi qu'on fasse beaucoup aussi, encore plus, surtout pour nous les entrepreneurs, on souhaiterait encore plus pour l'année 2024. Par exemple, la réduction des taxes, parce qu'aujourd'hui, les produits nous coûtent excessivement cher. Et puis aussi nous faciliter les marchés pour nous tous. Voilà, ça serait intéressant. On va se permettre de pouvoir également observer l'année à venir pour voir est-ce que l'année de la jeunesse qui était prévue pour 2023, qui prend fin bientôt, voilà, aura un impact sur 2024. Les attentes d'abord, je dirais simplement, c'est d'abord la formation. Et puis également permettre aux jeunes entrepreneurs d'avoir des opportunités
en termes de marché. Décrétée par le gouvernement ivoirien, l'année de la jeunesse est un concept visant à promouvoir les actions en faveur des jeunes. Pour matérialiser cette promesse, le chef de l'État a décidé de renforcer et d'accélérer le dispositif d'accompagnement des jeunes à travers des financements de projets et de nombreuses autres actions. Au niveau de la tutelle au ministère de la Jeunesse, au cours de cette année, il est aussi question de former les jeunes au civisme. À Boaké, dans le centre du pays, 500 jeunes pensionnaires du centre de service civique de la ville viennent d'être formés dans plusieurs disciplines. Ils ont été présentés au cours d'une cérémonie officielle présidée par Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. On fait le point avec Salif Yalekwe. Ces jeunes, au nombre de 500, ont effectué 6 mois de formation au centre de service civique de Boaké 2, désormais baptisé centre de service civique Thio Fosier, dans différents métiers, notamment la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie, cosmétique, l'esthétique, les pépiniéristes paysagistes, l'agriculture vivrière et la production animale, de lapins, moutons, volailles et agoutis, la mécanique automobile, les bâtiments et travaux publics. Au terme de cette phase, ils ont effectué vendredi leur sortie dans la deuxième ville du pays. Ce, en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, qui avait à ses côtés son collègue des transports, Amadou Koné, par ailleurs maire de Boaké, et Sidi Tiemoko, en charge des ressources animales et halieutiques. Je me réjouis qu'après 6 mois, les 500 jeunes qui ont intégré ce centre aient pu bénéficier de l'encadrement nécessaire et de formations qualifiantes, ce qui en fait des jeunes nouveaux. L'école de la deuxième chance prend tout son sens, puisqu'à ces jeunes, le gouvernement a permis d'avoir une seconde chance de vie, une seconde chance dans la vie. Ils sont âgés de 16 à 35 ans. Ces jeunes seront accompagnés, puisque au sein de ce centre a été créé un guichet emploi pour les accompagner. Et en lien avec tous les collègues ici, nous allons explorer donc toutes les opportunités pour que d'ici quelques semaines, quelques mois, 100% des jeunes sortis de ce centre de service civique soient totalement insérés. Ce retour des infrastructures et des services d'éducation civique est le signe que Boaké a retrouvé sa place de ville-école dans l'ambitieux programme Côte d'Ivoire solidaire du président Alassane Ouattara. La jeunesse occupe une place de choix dans la nouvelle page qui s'ouvre à Boaké et le centre de service civique Thio Fosier nous permettra d'accélérer la prise en main de notre jeunesse et de faire en sorte que notre cité, cité Carrefour et l'ensemble de la région soient non seulement accueillantes pour nos jeunes, mais que ce soit des cadres propices à l'épanouissement de ces jeunes. Heureux de ce passage dans ce centre, ces pensionnaires se disent prêts à s'insérer dans la vie active. Nous avons été formés à un métier et nous sommes prêts pour les stages et les emplois que le ministère est en train de nous trouver. Nous promettons désormais d'être des exemples pour nos camarades. Il est prévu la construction de 14 centres de services civiques sur l'ensemble du territoire, avec une capacité d'accueil de 1 000 jeunes par an, par centre, soit 14 000 jeunes, pour un montant de 21 milliards de francs CFA. D'ici au premier trimestre 2024, ce sont 4 centres de services civiques qui devront être fonctionnels. Boaké est déjà fonctionnel, Daloa, Korogo et Adzopé sont en cours de construction. L'Agence française de développement à travers le C2D3 va contribuer au financement de ce programme à hauteur de 13 milliards de francs CFA. Dans ce journal également ce soir, un sujet sensible, la mort. La mort incarne la fin, la tristesse ou la fatalité, mais peut aussi faire vivre à des hommes et des femmes. Oui, il y a des activités génératrices de revenus autour de la mort, ainsi va la vie. Ils sont fleuristes, fabricants de cercueils, vendeurs de tenues pour défunts et ils sont chaque jour au contact des familles endeuillées. Comment ces personnes exerçant dans ce milieu délicat vivent au quotidien? Quelles sont leurs motivations? Les réponses dans ce sujet de Bénédicte Siluet, Échec Bleu. Si la mort en deuil est cause mélancolie et affliction, elle permet à plusieurs artisans de gagner dignement leur vie. Daniel a longtemps fabriqué et vendu des cercueils.
L'activité étant menacée par les pompes funèbres, principaux concurrents, il s'est reconverti. Mais il est resté fidèle au secteur mortuaire. Aujourd'hui, il vend des tenues pour mort. Pour lui, l'accoutrement d'une personne sans vie n'est pas à négliger. Quand avant de mettre ces tenues-là, il faut d'abord mettre les anciennes tenues en bas, puis on met ça là-dessus maintenant. Là, comme ça, le corps est bien présenté. On n'a pas peur de ça. Ça fait plus de 20 ans qu'on est dedans. Pas peur. Pas peur de quoi. Si nous, on a eu peur, là, tu vas vendre. Comme lui, Alexis Seydou gagne sa vie au carrefour CHU de Yopougon, où il passe la majeure partie de ses journées, entouré de cercueils. Des articles qu'il fabrique et présente aux personnes endeuillées. L'homme, qui a consacré sa vie à la fabrication de ces caisses pour morts, se dit fier d'exercer ce métier, qui pour lui est sacré. Le menuisier qui fait la conception du cercueil. Vient ensuite le laqueur qui polit et qui prépare le cercueil à la peinture. Et puis la troisième phase, c'est le peintre qui vient donner une couleur. Et puis la dernière couche, c'est celui qui fait l'habillage. La mort fait vivre aussi Thierry. Il prépare une commande de pierre tombale pour un client. Un travail qui demande beaucoup de temps, de dextérité et de délicatesse. Le coût de ses prestations varie entre 85 et 150 000 francs CFA. Chaque dimension a son prix. C'est un métier qu'on a appris. Pas parce qu'on veut que des gens meurent, non. Tout sauf ça. Mais on partage cette douleur avec ces personnes. C'est pourquoi quand ils viennent, parce que tout le monde doit passer par là. La mort, tout le monde doit passer par là. Personne ne va échapper. Donc c'est pourquoi quand ils viennent, on essaie de réduire un peu le prix afin que voilà, cette personne puisse amortir la douleur. Il y a des personnes qui font des cercueils. Aujourd'hui, ils peuvent même dormir dedans. Ils n'ont plus peur. Il y a des personnes qui dorment dans les cimetières. Nous, on confesse seulement. C'est les photos, on place. C'est quelque chose qui est durable. Et c'est quelque chose qui fait la beauté de la tombe. Une tombe fleurie. Pour en avoir, il faut passer chez Frédéric. Au milieu de ces fleurs de toutes les couleurs, le fleuriste prépare soigneusement des bouquets assez spéciaux. Ils sont destinés aux morts. Ce métier, il le pratique depuis 10 ans. Apporter un minimum de réconfort aux personnes frappées par le deuil, telle est sa réelle motivation. Pour une gerbe de fleurs, il faut prévoir au minimum 35 000 francs. Parfois, on croise des clients qui sont vraiment attristés. Des clients même qui pleurent souvent. Mais après avoir fait ce beau travail pour eux, quand ils viennent, ils même sont contents. Parfois même, ils nous disent merci, et oui, ils sont contents. Il y a des gens qui trouvent que c'est inutile. Parce que la personne est décédée, plus de un. On va pas payer pour aller mettre à la maison, c'est pour aller mettre au cimetière, c'est comme on va jeter. Mais nous sommes Africains, nous sommes des Africains, on considère les morts. On se dit quoi, la personne est partie, on ne les voit pas, mais la personne est toujours avec nous. Ça, c'est quelque chose qu'on croit déjà en Afrique. Voilà donc, il y a des gens aussi, ça les fait plaisir de payer. Il y a des gens même qui, quand ils viennent, ils disent même carrément que si la personne était là, peut-être voilà ce qui est faisable pour la personne, mais la personne n'est pas là donc, il n'y a pas acheté cette fleur pour donner à la personne. Si ces métiers mortuaires font la plupart du temps froid dans le dos, on y a nécessairement recours un jour ou l'autre. Ces métiers sont de vrais sacerdoces où la limite de la compassion pour les proches des morts et le marchandage des articles mortuaires est très confus. À l'étranger, ce lundi marque la 24e journée de guerre entre Israël et le Hamas. La bande de Gaza croule sous le poids de bombardements israéliens et la situation humanitaire se dégrade de plus en plus. Les habitants pris au piège sont privés d'eau. L'aide humanitaire la plus importante depuis le début de la guerre s'est déployée hier dimanche sur la zone de guerre, comme nous le précise Pierre Dipomelin. Des charrettes tirées par des ânes sont utilisées pour distribuer de l'eau à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza. Une ville bombardée sans répit par l'armée israélienne. Ses 2,4 millions d'habitants sont privés de tout, eau, nourriture, électricité. Une situation qui pourrait constituer un crime selon la Cour pénale internationale. Quelques 33 camions d'aide humanitaire sont entrés à Gaza dimanche via Rafah, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Il s'agit du convoi le plus important à pénétrer dans le territoire palestinien, assiégé depuis la reprise limitée
de l'acheminement de l'aide humanitaire le 21 octobre. Au total, 117 camions d'aide humanitaire ont pu entrer à Gaza depuis le 21 octobre, une majorité d'entre eux contenant du matériel médical. La guerre entre Israël et le Hamas, entrée dans son 24e jour, a été déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement palestinien le 7 octobre sur le sol israélien à partir de la bande de Gaza. En représailles, l'armée israélienne bombarde sans relâche la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas depuis 2007, et assiège ce territoire palestinien où s'entassent quelque 2,4 millions de Palestiniens. Depuis plusieurs jours, elle y conduit également des opérations terrestres. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Restez avec nous dans un instant, Focus Fait Divers, au cœur d'une histoire toujours aussi délicate et tragique. Après Focus Fait Divers, NCI Sport, sur le coup de 20h30. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.